like that. Ooh. Cool shade, stunner, yeah. Owe it all to my mother. Hot like summer, yeah. Making you sweat like that. Break it down. Bonsoir à tous, deuxième soirée du au profit du collège, organisée par l'association des parents d'élèves. Après la soirée hip-hop et chorale, nous voici ce soir pour une soirée théâtrale. Avec avant, nous avons eu droit à une démonstration de la gym, la S-Gym, et un petit concert d'Anouchka et de Stéphane, qui nous ont interprété des chansons variété française et variété internationale. Va suivre les pièces de théâtre sur le thème du musée. Fait par Madame Ben Moussa, professeure de français au collège de Velo, et un groupe de 10 élèves de 6e à la classe de 3e. Pièce. C'est le pièce de théâtre qui s'articule autour d'un musée un peu loufoque. Donc on parle d'une pièce comique, une pièce avec... Comique, oui. Ok. Bon. Je tenais à remercier l'ensemble des bénévoles de l'association des parents d'élèves, le collège, les professeurs, la direction du collège, et monsieur Yannick Guérin, maire de Velo, et son équipe nous a permis d'organiser ces deux soirées sur le parvis de Nova. Et je remercie les food trucks présents durant ces deux soirées. Ice on my wrist, I'm the nice guy. Got the right body and the right mind. Rolling up the party, got the right vibes. Move like haters. Cette année, j'ai eu des élèves, 5 élèves donc, qui venaient de différentes classes de 4e et 5 élèves qui venaient également de différentes classes de 3e qui faisaient partie de l'atelier. On est parti sur différentes scènes tirées de plusieurs pièces de Jean-Michel Ribes, un grand dramaturge contemporain français qui écrit donc, du théâtre de l'absurde. Et on les a sélectionnées donc, parce qu'elles ont un thème commun qui est celui du musée. Bon, les élèves ont toujours été extrêmement motivés, extrêmement enthousiastes, extrêmement disciplinés également, aussi bien pendant les cours que concernant l'apprentissage du texte, etc. Par rapport à la situation sanitaire, on a rapidement eu un gros problème qui nous a demandé de tout retravailler. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réécrit l'intégralité donc, de la pièce de manière à ce qu'on tombe sur 5 personnages à chaque fois puisque j'ai 5 élèves de 4e, 5 élèves de 3e. Et oui, les élèves, ils ont été extrêmement rigoureux et donc ils se sont organisés entre eux pour travailler le texte via Zoom, tout simplement, se faire des italiennes, hein, comme on dit dans notre jargon. Donc ils ont vraiment joué le jeu. Et ça a vraiment été un bonheur de travailler avec eux. Et on est très très contents, en tout cas ce soir, d'être ici et que M. Chambeux, donc, qui représente la FCPE, ait décidé de mettre à l'honneur les collégiens, donc la semaine dernière avec le hip-hop, la chorale, maintenant avec le théâtre. Et on est très très contents de ce partenariat avec la mairie et l'espace Nova. Vous avez l'intégralité du colosseum. Alors, forcément. Le double de la moyenne nationale. C'est effrayant. Et pourtant, je suis un peu attentif. On débrouille pour prendre nos congés annuels. Seulement, on ne peut pas tous partir en même temps.